Des opposants guinéens ont déposé plainte en France contre le président Alpha Condé et plusieurs proches, dont son fils, pour corruption et trafic d'influence. Ce collectif dénonce des liens opaques entre le pouvoir de Conakry et une société française, l'AMR, créée en 2015 pour exploiter la bauxite en Guinée. 2 ans plus tard, l'AMR revendait le gisement 171 millions d'euros à un consortium franco-sino-singapourien, selon les plaignants. Pour le parti au pouvoir, cette plainte est purement politique. Elle intervient à la veille de la désignation de son candidat à la présidentielle d'octobre. On ne sait pas encore si Alpha Condé, 82 ans, se présentera pour un troisième mandat.